Depuis le mois de septembre, les gourmands et les férus de sucre suivent la 9e saison du meilleur pâtissier. Et parmi les candidats de cette édition 2020, figure une jeune femme du nom de Margot Chignac. Souvenez-vous, CIST, cette étudiante aixoise qui avait remporté le concours En route vers le meilleur pâtissier, une émission diffusée sur 6play. Entre quelques recettes à réviser, Margot a accordé un entretien à Téléstar, que vous pourrez retrouver chez votre marchand de journaux ce lundi 26 octobre. En toute transparence, Margot a évoqué les commentaires que peuvent écrire les internautes sur les réseaux sociaux, concernant ses participations. J'ai pas mal de commentaires pas très sympathiques, certains disent que je suis avantagée car je suis la plus jeune candidate, d'autres disent que ma voix est insupportable, a confié la jeune femme qui est âgée de 19 ans. Une compétitrice dans l'âme et pourtant, les critiques, Margot en fait fi. Il faut dire qu'au fil des semaines, la Benjamine de la saison prend de l'assurance et se montre de plus en plus confiante. Et pour cause, elle est une vraie compétitrice dans l'âme. J'ai fait de la boxe pendant 5 ans. Je n'ai peur de rien, a-t-elle expliqué dans les colonnes de Téléstar. Avant d'ajouter, si en fait, parce que j'étais vraiment flippé avant de débuter le concours. Dans le prochain épisode à découvrir, Margot a créé une ambiance Halloween qui fait peur. J'ai imaginé une machine à laver avec des biscuits, et du sang en utilisant du coulis de fraises, a-t-elle expliqué. Rendez-vous donc ce mercredi 4 novembre, à 21h05 devant M6, pour découvrir sa prochaine prestation terrifique. Une interview à retrouver ce lundi 26 octobre en kiosque et en version numérique.